Aujourd'hui, comment faire son intro? Et non, toi, sur The Red Series épisode 2, et je suis tout seul parce que c'est une invention que j'ai créée moi-même. Donc, vous vous rappelez dans la vidéo que j'avais présenté ma machine à lançage de PNJ? Si vous allez bientôt voir c'est quoi, vous allez capoter. Donc, lançage de PNJ, et puis je vous présente le canon à flèche. Bon, je vais aller un peu court, il a été créé par moi. Un système de redstone assez simple, même s'il a peut-être l'air what the fuck total. Donc, je vous explique en gros, le but c'est vraiment d'avoir le bon timing. Donc, je vous laisse très bien regarder. Fait que regardez bien tous les timers, comment tout est fait. Je vous laisse très bien regarder puisque je le burlerai pas dans votre face. Mais vraiment, vous pouvez tout regarder. Et bien sûr, ici c'est les flèches. Donc, ici, le système de redstone, tac tac tac, juste un. Ici, un de coché, donc deux. Ici, le maximum. Et un petit système comme ça. Ensuite, le max, le minimum, le minimum, le minimum. Tout va très bien. Donc, c'est, je vous dis en gros, attendez. Donc, ça va faire. Paf. Donc, vous avez vu en gros comment c'était construit. Puis, bien sûr, faut pas oublier celui-ci. Hein. Qui vient directement en dessous et fait ça avoir cliqué une fois sur ça. Le repeater. Donc, vous actionnez. Ta gueule, la pluie. Il pleut toujours dans mon monde de merde. Ah, j'ai oublié d'écrire. Il semble aussi qu'il manque quelque chose. Ben. Oh, regarde, ok. Donc, j'actionne tout de suite. Toujours beau. C'est sûr, c'est moins beau de derrière. Mais ouais. Donc, j'actionne et vous allez voir. Tac, tac. Les flèches sont tirées. Et là, c'est un bug graphique, mais en gros, ça tire les flèches sur ça. Les pistons. Ouais. C'est en gros, ça lag un peu, mais. C'est ça le principe de la chose. Donc, ça. Si je l'arrête, vous allez voir. Donc, les flèches, ils sont tirés directement pile au timing où eux ils sont rétrécis. Une fois qu'ils vont avancer, eux en même temps ils vont pousser et eux une milliseconde après, bam, ils vont pousser. Ces millisecondes là, c'est ça. Fait que ils tirent, paf. Puis une fois qu'ils ont tiré, ben c'est, ça s'en va très loin. Donc là-bas, pile sur la ligne rouge, donc un tir de très haute précision. Et ensuite, ben vous pouvez pas l'arrêter sans avoir des flèches ici. Fait que vous les enlevez. Il faut aller chercher vos autres flèches. Ils sont tous tombés ici. Et je vous dis, ça inflige des dégâts énormes. Et aucune perte de flèches. Regardez. Paf. Paf. Parfois, ça m'est arrivé de perdre deux flèches. Genre. Oui, zéro flèche de perdu. Tout est full. Donc, vous voyez, c'est vraiment génial. Donc, toi, payé. Je viens de t'abuser. J'ai pris un œuf de ton ventre. De ton cul. Et je vais positionner des petits cochons ici. Je pense pas que c'était la même chose à faire. Attendez, on va actionner tout. Vous avez vu, petit cochon. Pouf. Oh, ok. C'est le bug graphique dont je vous parlais. Il faut que j'aille arrêter ça. Ça va mal finir. Qu'est-ce qu'il fait? Mais sérieux? C'est. Et puis, bien sûr, dernière petite explication, je suis allé chercher les flèches. C'est attiré ici, je sais pas quoi. Ok. Bon, vous, comme vous voyez, très grosse efficacité, bien sûr. Le personnaliser, donc là on a perdu une coupe de flèches, je pense que c'est à cause des cochons, bien sûr, qu'on a tiré. Parce que,
vous savez, les entités absorbent les flèches, on peut plus les prendre. Fait que, voilà, en gros, c'est quoi ça, le tueur? Putain. Dernière chose à expliquer, c'est que si vous le mettez en mode full, pas auto, genre comme ça. Ouais, c'est ça, donc le timing marche pas. C'est ça que je voulais essayer avec vous. Si je fais... vous voyez, ça a marché. Si je le fais de cette façon-là, c'est cool, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, en gros, tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout est plein, ouais. Nice. Donc, vous le sélectionnez pour le mode auto qui va strictement mieux, je vous dis. Donc, j'espère que vous appréciez cette courte vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez un j'aime. C'était toi, 77 sur Minecraft. Et je prends une petite photo pour la miniature. Donc, voilà. Merci et bonne journée. Puis, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos et d'aller voir sur la chaîne communautaire où ma vidéo va sûrement être uploadée. Thank you for watching. Merci et bonne journée encore une fois. Merci et bonne journée encore une fois. Merci et bonne journée. Ferme ta gueule.